C'est que plus on avance avec le Seigneur et plus
nos cœurs s'endurcissent, dans le sens où quand on entend des choses et qu'on a l'habitude de les entendre, elles ne produisent plus l'effet pour lequel ces paroles doivent produire. Que Dieu nous donne des cœurs d'enfants afin que ce que nous avons entendu puisse produire vraiment un impact vraiment considérable et qu'on puisse vraiment réaliser tout ce qui a été dit. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin de prier? Je pense qu'on doit, on va tous se lever parce que je pense que ce message nous concerne tous. Si on peut tous se lever, on va tous prier. On a besoin d'être rééduqué par Dieu, de tout revoir à zéro, de repartir sur des bonnes bases. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. La Bible dit que celui qui est tombé se souvienne d'où il est tombé afin de se relever. Donc ça nous concerne tous. On va prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant, par ce message, tu nous montres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la vie d'un homme est comme les doigts de la main, que nous sommes comme un souffle entre tes mains. Et par moments, Seigneur Dieu, nous nous détournons de l'essentiel. Nous nous détournons par des disputes inutiles, par des manques de pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On peut venir dans la maison de Dieu, on a le cœur bloqué pendant des années. Seigneur, on a perdu pour objectif le royaume. On vit dans le péché et on n'a pas la crainte de ton Saint-Nom. On a oublié et on s'est détourné de l'espérance à laquelle nous sommes oubliés. Donc, tu nous as appelés, Seigneur. Seigneur, que l'on prenne conscience, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que demain nous pouvons mourir, Seigneur. Et que comme ta parole déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est ni demain ni après-demain. C'est aujourd'hui, Seigneur, que nous avons besoin de révision. C'est aujourd'hui que nous avons besoin de nous examiner. Alors, Saint-Esprit, rentre dans nos cœurs maintenant. Fais le travail maintenant dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Que nous nous examinons, Seigneur. Si l'orgueil est rentré dans nos cœurs, dans nos cœurs, que tu nous pardonnes, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Si l'amour du monde, l'amour de l'argent, la convoitise, les querelles, les disputes, le manque de pardon, Seigneur de Tout-Puissant, les animosités, les tenues impudiques, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur mon Dieu. Si, Seigneur mon Dieu, elles ont taché nos robes, Seigneur mon Dieu, que ton sang nous purifie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que le sang de Jésus, Seigneur mon Dieu, lave nos cœurs, lave nos consciences. Seigneur, délivre-nous de l'amour du monde. Délivre-nous de la pression du péché. Seigneur, je prie pour une sœur, Seigneur, en ce lieu, maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Dieu de gloire, Seigneur. Que ta puissance, Seigneur mon Dieu, que l'onction de l'Esprit brise la puissance du péché. Amen. Dans la vie de cette sœur. Amen. Qui est coincée dans un péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton onction brise, Seigneur mon Dieu, le joug du péché, Seigneur Amen. Dieu Tout-Puissant, afin que tu rendes libre, Seigneur Dieu. Amen. Que le règne des ténèbres soit fini maintenant au nom de Jésus. Amen. Le règne du péché est fini maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tes enfants ne soient plus rendus dans un péché, Seigneur. Mais qu'ils en sortent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton onction nous donne la force, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de marcher sur le péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin de marcher par l'Esprit, car ta parole déclare, je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Seigneur, nous voulons marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit. Ta parole déclare, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Seigneur, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La domination des démons, Seigneur mon Dieu, n'a plus de pouvoir sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous disons non, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, au péché. Nous disons non au règne des ténèbres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, éclate, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, les sépulcres dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Détruis, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, le règne des ténèbres, Tout-Puissant. Détruis l'amour du sexe, Seigneur. Détruis l'amour, Seigneur mon Dieu, du monde, Seigneur mon Dieu. Viens briser les chaînes, Seigneur. Alléluia. Et rends libre ton Église. Rends libre tes enfants, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Afin, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père, qu'ils marchent, Seigneur mon Dieu, en nouveauté de vie, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur, à la croix, tu as détruit la puissance du péché, Seigneur. À la croix, tu as détruit, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, le règne des ténèbres dans la vie de tes enfants, Seigneur. Alléluia. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, être ressuscités aujourd'hui, Amen. Seigneur. Amen, Seigneur. Que le poids de la culpabilité, Seigneur mon Dieu, soit détruit, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Que ton sang, Seigneur mon Dieu, Père, nous purifie, Seigneur mon Dieu. Purifie nos consciences, purifie nos cœurs, purifie nos corps, Seigneur mon Dieu. Oh, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nous sommes libres, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Oh oui, la vraie part, Seigneur mon Dieu, c'est la délivrance, Seigneur mon Dieu. C'est la délivrance par rapport au péché.
c'est la délivrance par rapport au monde. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, et porter du fruit, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, avoir le caractère de Christ, Seigneur mon Dieu. Que le caractère d'Adam soit détruit, Seigneur mon Dieu. Que le vieil homme, Seigneur mon Dieu, avec ses passions et ses désirs, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. De la masturbation, de la convoitise, de la pornographie, de la drogue, de l'alcool, de l'impudicité. Délivre-nous, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, parce que tout est accompli, Seigneur mon Dieu, à la croix. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant. Parce que tu libères un de tes enfants, Seigneur. Tu détruis, Seigneur mon Dieu, le jour du péché. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom.